Nous allons commencer les travaux de cette commission des affaires économiques qui aura deux objets. Le premier étant la présentation du rapport annuel au Parlement de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous M. Chalmin, son président. Et dans une seconde partie de notre commission, nous aurons à traiter de l'article 88 sur les amendements restant en discussion sur la proposition de loi visant à garantir le revenu des agriculteurs de M. André Chassaigne. Voilà concernant nos travaux. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une habituée de cette salle de la Commission des affaires économiques au Parlement, puisque vous avez déjà dernièrement participé à deux tables rondes organisées en décembre 2012 et en juillet 2015. Et vous êtes régulièrement auditionné, notamment ces temps-ci, par les rapporteurs de textes qui sont en cours au Parlement. Nous parlions tout à l'heure de la PPL de M. Chassaigne, mais également il y a la loi Sapin sur laquelle il y a un certain nombre de dispositifs. Donc aujourd'hui, l'objet de notre audition est bien sûr le rapport que vous devez rendre au Parlement. Vous l'avez déjà présenté il y a quelques semaines de cela. Donc les parlementaires, effectivement, dans une actualité, il faut le dire, importante à ce sujet, notamment de point de vue agricole, seront là pour vous questionner. Dans votre avant-propos du rapport de l'Observatoire au Parlement de 2015, vous rappeliez que l'absence de transparence et plus encore de confiance dans les relations entre acteurs tout au long de la filière justifiait justement la création de cet observatoire dont nous avons vu les rapports au fil des ans. Cette fois-ci, sur l'édition 2016, dans votre avant-propos, vous soulignez notamment qu'une tendance forte à l'œuvre depuis déjà plusieurs années est accentuée par des mutations qu'a connues la politique agricole commune. La déconnexion entre la sphère agricole et la sphère alimentaire qui fonctionne de plus en plus comme deux univers aux logiques différentes qui ne partagent plus que la fourniture de quelques matières premières. Donc là aussi, nous souhaitons vous entendre sur cet avant-propos afin que vous puissiez le développer. Donc je ne rentre pas dans le détail parce que vous allez parfaitement le faire. Et puis juste évoquer notre actualité législative qui est dense, importante. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une proposition de loi. L'article 88, tout à l'heure, sera en examen au sein de cette commission. Et puis, nous avons le projet de loi Sapin avec l'article 31 de ce texte de loi. Nous avons examiné des amendements la semaine dernière au sein de cette même commission, puisque nous sommes saisis pour avis sur cette partie-là, avec une délégation, travail spécifique, ce qui fait que nos amendements seront portés à la commission des lois qui, aujourd'hui, les examinera pour la séance la semaine du 6 juin. Donc la commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements pour renforcer les missions de l'Observatoire, qui naturellement c'est qu'à la finalité de l'adoption du texte que cela rentrera en vigueur le cas échéant. Donc des amendements identiques sur tous les bancs ont été adoptés. Ils rendent obligatoire dans les contrats entre producteurs et premiers metteurs en marché une référence à des indices publics de coûts de production et des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'Observatoire. Donc je ne doute pas également que l'ensemble de nos parlementaires seront amenés à vous questionner là-dessus par rapport, bien que vous ayez vu les rapporteurs, cela s'entend, mais par rapport à ces dispositifs. Et il y a également un certain nombre d'amendements qui seront présentés par le gouvernement. Vous dire également que nos parlementaires ont travaillé notamment par rapport à la crise de l'élevage. Et un rapport a été rendu par M. Thierry Benoît et Mme Annie Gleloc et M. Damien Abad. Ils ont travaillé sur un certain nombre de propositions également. Et je suis persuadée qu'ils seront amenés à les évoquer au cours de notre séance. Monsieur le Président, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes environ, de façon à ce que vous puissiez nous présenter le rapport et au-delà répondre éventuellement aux questions sur l'actualité législative. Et ensuite, les parlementaires auront à leur tour la parole afin de vous interroger ou du moins de faire part de leur réflexion. Merci encore. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente.